c'est très intéressant ce que je viens d'entendre là, Sandro Ndaziri, parce que c'est exactement pourquoi moi je me suis attaché à vos personnages, c'est parce que dans leur faiblesse, ils sont forts. Mi piace questa idea, proprio per questo ho amato i personaggi, perché nella loro debolezza sono forti. Io non amo i vincenti, almeno non amo gli eroi, quelli che sorridono e sopravvivono a tutte le battaglie senza neanche un graffio, i John Wayne, per capirci. Io amo le persone che sono rimaste segnate dalla vita e che attraverso le loro cicatrici hanno conosciuto davvero la vita e hanno capito cosa è il mondo, hanno imparato a leggerlo e riescono a vederne il cuore, la sofferenza. E Dante e Colomba rappresentano questa capacità di conoscere il mondo anche attraverso la propria sofferenza. Très bien, je n'aime pas les vainqueurs, je n'aime pas les héros, ceux qui sourient, ceux qui passent à travers toutes les batailles, sans même pas une égratignure. Des John Wayne, par exemple. Ce ne sont pas les personnages que j'aime. J'aime les personnes qui ont été marquées par la vie, qui ont été blessées par la vie, qui ont des cicatrices, et c'est à travers ces cicatrices et blessures qu'il arrive à connaître la vie, à connaître le monde, et à vivre, même vivre, parce qu'il voit le monde à travers leur souffrance. Et Dante et Colomba ont exactement cet avantage, la capacité de voir le monde, comprendre le monde à travers la souffrance. C'è un verso di una canzone di Leonard Cohen, che è uno dei miei cantanti preferiti, fantastico, vabbè, insomma, non sto parlando di Leonard Cohen, molto bravo, e che dice che tutte le cose hanno una ferita, hanno una frattura attraverso cui passa la luce. Ecco, Dante e Colomba rappresentano questo. Attraverso le loro ferite passa la luce, e la luce è quella della verità che loro vanno a cercare e che riescono a trovare. A differenza di altre persone all'interno del romanzo, all'interno di questa storia, che sono troppo corazzate per poter vedere la verità. Leonard Cohen, un grand chanteur, un de mes chanteurs préférés, dit dans une de ses chansons que toutes les choses présentent des blessures, des fractures, et c'est à travers ces fractures que la lumière passe, se faufile. Eh bien, Dante et Colomba représentent exactement cela, des choses, des personnes avec une fracture à travers lesquelles la lumière passe. Ils arrivent donc à voir la vérité parce qu'ils cherchent la vérité et ils la trouvent. Au contraire, d'autres personnages qui sont plus cuirassés, plus forts, sans fracture, n'arrivent pas à la voir. Ils sont trop protégés pour la voir. Votre roman, Sandro Ndaziri, Tu tueras le père, chez Robert Laffont, est vraiment, vous tenez le lecteur en haleine, mais alors jusqu'au bout. C'est comme un puzzle avec des pièces qui s'assemblent au fur et à mesure. Cette construction, vous l'avez longuement pensée? Il suo libro lascia il fiato sospeso fino alla fine, come un puzzle che si costruisce poco a poco. L'ha pensato progressivamente a lungo questa costruzione? Diciamo che questo romanzo è frutto di due cose, possiamo dire, due choses. Due cose. La prima è una tecnica che ho cercato di affinare negli anni, che è quella di togliere da una storia, da quello che scrivo, tutto quello che non è necessario. Anche se bello, una bella pagina, una bella riflessione, ma non è necessario a portare avanti la storia, io la tolgo. In questo modo, quando tu entri all'interno della narrazione, sei costretto a rimanerci attaccato. Bon, ce roman est le fruit de deux choses. On peut s'exprimer ainsi. Tout d'abord, une technique que j'ai affinée au fil du temps. Cela consiste en enlever ce qui n'est pas nécessaire. Une belle page, une belle réflexion. Donc, même si c'est beau, il faudra le retirer si ce n'est pas crucial pour l'avancement de l'histoire. De manière à ce que, quand on est dans la narration, on reste accroché. Et questo significa anche, al termine di ogni capitolo o di ogni passaggio del libro, dare l'impressione che la verità è sempre un passo più avanti, in fondo come accade nella vita. Donc cela nous permet également, à la fin de chaque chapitre, de donner l'impression au lecteur que la vérité s'approche, elle est toujours plus près. Et c'est en fait ce que nous vivons également dans notre vie, c'est notre expérience quotidienne. Et l'altra tecnica, diciamo, l'altro motivo per cui credo ho costruito questo tipo di narrazione in cui uno può rimanere impigliato,
è il fatto che mentre scrivo io stesso entro nella storia. E io non scrivo quella tecnica che consiglio a tutti, ovvero sia quello di farsi una scaletta e di seguire attentamente questa scaletta. Io entro e vivo la storia man mano che la scrivo. J'ai également utilisé une deuxième technique qui me permet en fait de faire en sorte que le lecteur soit piégé dans la narration. Et la technique est la suivante, moi-même je reste piégé dans la narration. D'habitude je conseille à tout le monde d'écrire en faisant un plan et en suivant le plan. Mais c'est exactement ce que je ne fais pas. Et c'est exactement cela qui me permet de vivre l'histoire et de piéger les autres. E quindi io voglio arrivare alla fine, voglio sapere la verità esattamente come spero voglio arrivare alla fine e scoprire la verità anche il lettore. Donc je veux en lisant en restant piégé dans ma propre histoire, je veux arriver à la fin, je veux découvrir la vérité exactement comme je l'espère mes lecteurs voudront la découvrir. Vous écrivez le livre que vous voulez surtout lire. Quindi lei scrive il libro che vorrebbe leggere. Sempre, io scrivo sempre i libri che vorrei leggere. Toujours. J'écris toujours les livres que je souhaiterais lire. Toujours, oui. Parce que c'est un peu la mia esigenza. Sono soprattutto un lettore attento, sono un lettore esigente e che non si accontenta. Ed è il motivo per cui quando comincio un libro non so mai quando lo finisco. Perché non so se quello che scrivo è all'altezza delle mie esigenze di lettore. E quindi devo riscrivere e riscrivere ancora. Et oui, je suis un lecteur très exigeant, très attentif. Je ne me contente jamais de ce que j'ai sous les yeux. C'est pourquoi, quand je commence un livre, il est très difficile de savoir à quel moment je vais le terminer. Parce que je ne sais pas si ce que j'écris sera à la hauteur de mes exigences de lecteur. Donc il faudra peut-être revenir sur ce que j'ai écrit. Et du danger dans lequel vous vous mettez, puisque vous piégez vous-même pour pouvoir piéger le lecteur. E poi c'è un pericolo, il pericolo di restare impigliato nella trama per impigliare il lettore, quindi è un pericolo questo. Sì, è un pericolo che c'è e il motivo per cui per me scrivere spesso è anche riscrivere. La versione che ho pubblicato di Uccidi il padre è credo la decima versione del romanzo. E sono certo che avrei potuto farne una dodicesima, solo che a un certo punto ti devi fermare e dare alla luce quello che stai scrivendo. Et oui, c'est bien un danger, c'est bien un danger, le danger est là. C'est pourquoi j'ai tendance à écrire et réécrire cette version de Tu tueras le père et peut-être la dixième, donc celle que nous avons publiée, et peut-être la dixième version de mon roman. J'aurais pu en écrire encore une onzième, douzième, mais à un moment donné, il faut s'arrêter et donner vie, donner naissance à son œuvre. Alors l'interview va déjà toucher à sa fin parce que le temps passe très vite et c'est vraiment passionnant, Sandrone Dassieri, le moment qu'on passe ensemble par rapport à ce que vous dites au sujet de Tu tueras le père. J'ai une dernière question, c'est un thriller qui a très très bien marché en Italie, c'est vendu dans plus de 10 pays. Nous on nous annonce une série télé, enfin il y aurait peut-être une adaptation, est-ce que vous le confirmez et comment vous avez vécu déjà cet accueil sur ce bouquin? Lei ha scritto un thriller che ha funzionato molto bene in Italia, venduto e tradotto in oltre 10 paesi. In Francia si annuncia già una serie televisiva, ci può confermare questa voce e come ha vissuto questa accoglienza francese? Confermo che c'è un progetto di serie televisiva che probabilmente sarà una coproduzione europea, però siccome lavoro anche nella televisione so che fino a quando non si gira una serie e fino a quando questa serie non è stata girata e montata e mandata in onda non si può mai sapere, quindi non, probabilmente si farà, ma chi lo sa. E l'altra cosa è che io sono orgoglioso di essere qui, e soprattutto anche in questa casa editrice, La Font, che conosco da tanti anni e che ancora non ci credo che abbia pubblicato il mio libro, sono molto contento. Quindi achetez le livre. Je vous le confirme, effectivement, il existe un projet de série télévisée. Ça sera très probablement une coproduction européenne. Or, puisque je travaille également
à la télévision, je sais que tant que le film, la série n'est pas tournée, n'est pas montée, on ne peut jamais rien dire. Donc on attend, on verra ce que cela donnera. Deuxième chose, pour revenir sur votre deuxième question, je suis concernant l'accueil et comment je le vis. Je suis très fière d'être ici en France, juste très fière surtout d'avoir été publiée par cette maison d'édition, Robert Laffont, que je connais depuis plusieurs années et que j'apprécie beaucoup. Et d'ailleurs, je n'arrive pas à le croire qu'ils aient décidé de me publier, moi. Sandrone Dazieri, un grand merci pour cet entretien. Merci à vous. Je pense que vous avez un dernier mot à nous dire, vous l'avez déjà dit un petit peu. Je crois qu'il faut acheter ce livre. Acheter ce livre, pas pour moi, pour mon éditeur. Et puis franchement, nous on incite justement les internautes qui nous entendent à acheter votre livre Tu tueras le père aux éditions Robert Laffont, La bête noire, parce que c'est aussi un lancement de collection et c'est surtout, on l'a lu, c'est vraiment un très très bon thriller, c'est bourré de surprises jusqu'au bout. Un grand merci. Merci.